Lionel Sylvestre, jeune Guadeloupéen, originaire du Gosier, 37 ans, président de la Outre-mer Détection et conseiller sportif de LS Sport. On connaît un peu comment ça se passe, mais une jeunesse aussi, il y a de bons comportements, il y a des enfants disciplinés. Donc même si des fois il y a des mauvais comportements, mais il faut toujours essayer de donner la chance à certains qui ne peuvent pas avoir des opportunités. Donc moi, j'essaie de le faire. Et voilà, les valeurs que je veux transmettre aussi, c'est que voilà, même si on est quelque part, on ne peut pas se faire voir, au moins que ne jamais désespérer que quelqu'un peut essayer de venir vous voir quand même. Donc c'est travailler, de rester sérieux, et voilà. Ben, je ne vais pas vous mentir que j'ai beaucoup rigolé de ça, mais c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir aussi de voir que des parents m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu ce courrier et ils m'ont appelé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, c'était un petit problème interne entre un club, mais c'est vrai que cette expérience-là, ça ne m'a pas vraiment touché parce que bon, je sais que je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour travailler, voilà. Ben, on avait le recruteur de la GIA, qui est Julien Mathéo, on avait Frédéric Cholet de Montpellier, on avait le responsable de la formation Abdou Adani et le entraîneur U16 du Racing Club de France qui s'appelle Driss Firmin. Ben, c'est très important pour moi que Madame le maire m'ait soutenu, surtout la ville du Moule parce que bon, c'est une terre de champions aussi avec les clubs qu'il y a autour. Bon, je ne vais pas citer, mais les clubs comme le CSM, on va dire, voilà, je vais citer quand même, comme le CSM, c'est des clubs, bon, c'est sa ville de football au Moule. Donc ça m'a fait super plaisir qu'une ville comme ça m'ait accueilli, surtout avec leur nouveau terrain. Il y avait de la qualité. Donc voilà, moi, le Moule, franchement, super accueil. Les employés, ils ont toujours été avec nous, ils nous ont toujours conseillé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. On a été super satisfait de ça. Et merci à la ville du Moule, merci à Madame le maire. Ben, la prochaine étape de la détection, déjà, faire les fiches pour les parents, pour les retours, déjà par rapport à bon, si les enfants sont pris, s'il y a des suites à faire, s'il y a un suivi à faire. Et aussi, la prochaine étape des détections, ben, c'est les enfants qui doivent venir à l'essai, déjà de les préparer mentalement, d'essayer de faire des suivis par rapport à ça, et voilà. Ben, je remercie mes partenaires, l'INSEE Sport aussi, Caraïbes Sport, CAPES, Caraïbes Hôtel, Dollar. Je remercie tous mes partenaires, toutes les personnes qui m'ont soutenu par rapport au courrier qui a été divulgué, toutes les personnes qui ont cru en moi et toutes les personnes qui savent que bon, je ne suis pas là pour raconter des mensonges. Donc voilà, en tout cas, je suis très satisfait des enfants, très satisfait aussi des équipes qui étaient autour de moi. Moi, décrire Outre-mer Détection, en un mot, comment on fait dire ça? De croire en soi, voilà.